On croit parfois que pour être un bon parent, il faut fournir à nos enfants une quantité importante et variée de jouets. Mais avec le temps, on remarque que la salle de jeu est si remplie qu'on pourrait en fournir à tous les jeunes du quartier. En fait, ont-ils réellement besoin d'une si grande quantité de jouets pour se développer harmonieusement? Déterminons d'abord leurs besoins en abordant des sujets comme les étapes du jeu chez l'enfant selon son âge, les valeurs qui se cachent derrière le jeu, la fonction du jouet, la définition d'une activité ludique, le jeu avec ou sans jouet et le jeu dans les activités quotidiennes.